passée, il y a tout le monde qui a joué le jeu, on a bien crié, je pense que demain on n'a plus de voix. Mais en tout cas, c'était cool. Est-ce que tu as un mot pour définir ce défilé? Si j'ai un mot pour... Bah, forte. Incroyable, je réalise pas encore ce qu'on a fait. Je réalise pas du tout. C'était super, franchement. Par contre, je suis hyper fatiguée. J'ai une baisse de tout ce qui est euphorie, tout ça, là, d'un coup. Je suis morte. Si tu avais un mot pour définir DBL Paris, qu'est-ce que ça serait? Vive la femme, on est toutes belles et on s'assume. Si c'était pour moi défi relevé, j'ai pas eu honte de défiler du coup en petite tenue. C'était super, c'était super jovial, j'ai adoré l'ambiance et je pense que je referai. Si tu avais un mot pour ce défilé, qu'est-ce que ça serait? Ça m'a donné du courage. Cool, et je trouvais ça super bien de prôner les valeurs de la femme aujourd'hui, surtout qu'en plus on a la journée de la femme qui arrive bientôt au top du top. Et en plus ça défoule, ça fait vraiment du bien. Un mot pour définir ce défilé? Fatiguée mais contente. Bah, c'est super, super bien passé, vraiment super bien, bonne ambiance. Nickel, les gens étaient surpris, ouais. Mais à la fois assez contents, on a mis un peu de bonne humeur. C'est clair, on criait, on chantait, on dansait, c'était super cool. Ouais, c'était super cool, merci à l'équipe DVL. Merci DVL. Bisous. Merci.